Stéphanie, merci de nous accueillir chez toi dans ton nouvel appartement. T'as emménagé ici il y a combien de temps? Alors, il y a quelques mois, au mois de décembre. D'accord. Et t'as gardé ton mobilier? Est-ce qu'il y a ta pièce favorite, celle dont tu te séparerais jamais, qui t'a suivi ici? Oui, la pièce vraiment favorite qui m'a suivi, c'est l'enfilade qui est derrière nous, signée Red Edition, qui a été un gros achat coup de cœur avec l'un de mes premiers contrats il y a déjà 4 ans. Elle est très jolie. Je comprends que tu ne veuilles pas t'en séparer. Et est-ce que tu as des bons plans shopping à partager avec nous? Alors, le bon plan, je trouve pas mal de petites pièces aussi bien, pas trop chères. Après, il y a aussi une sélection assez large. C'est chez Flux, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, dans le Marais. Où par exemple j'ai trouvé mon petit nain de jardin un petit peu irrévérencieux, la cloche en verre, la main sur laquelle je dépose tous mes bijoux le soir quand je rentre. J'aime particulièrement ces mains signées Haie, j'en ai acheté 3 pour l'appartement, et c'est les mains que j'utilise au studio Mademoiselle Pierre qui accueille mes bureaux, qui me permet en fait de mettre en scène mes collections de bagues et de bracelets au fil des saisons. Donc tu as craqué pour des petits objets déco? Plutôt des petits objets dans le salon, tout à fait. D'accord. Et quel est ton dernier achat? Est-ce que c'était chez Flux justement? Alors mon dernier achat, je suis partie à Rosny-sous-Bois chez Domus. L'expédition, qui était la petite balade de la semaine dernière, où j'ai acheté chez Alinéa, qui est une enseigne que j'aime bien aussi, les petites niches qui sont au-dessus de mon lit, où j'ai mis les jolies niches hexagonales. Et blanche et bois clair pour rester dans l'esprit scandinave de l'appartement. Merci Stéphanie de nous avoir reçus dans ton home sweet home ce matin. Avec plaisir. Et retrouvez l'intégralité du home tour de Mademoiselle Pierre sur le blog.